Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie. Bonjour Thierry Godard, merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio pour parler de cette fiction qu'on a adorée avec Gilles, ça s'appelle Vulnérable. C'est ce soir à 21h05 sur France 2. Vous allez bien? Ouais, bonjour, merci bonjour. De m'accueillir. On est ravis. Ouais. Ouais. Vous tournez? Vous continuez à tourner beaucoup? Là je viens de finir Germinal, depuis septembre. Et ça s'est passé plutôt bien. On a tous chopé à un moment donné la méchante petite bête, mais on s'en est remis, donc il n'y a pas eu de dégâts. Mais ça bosse quand même un peu. Puis pour ceux qui se demandent qui est Thierry Godard, ils peuvent voir votre visage sur les réseaux sociaux. Et vous êtes Gilou Grenage. Ça a marqué ça, Gilou dans Grenage. Mais c'est ce que j'allais vous demander. C'était une question un peu perverse. En disant, je pensais que vous alliez me dire oui, on vient de tourner en Grenage. Non, ça y est, ça c'est fini. Ça c'est dans la boîte. Mais on a entendu qu'il y avait peut-être. Mais pas avec nous. Non, pas avec vous. Pas avec nous. Ce serait un préquel ou un reboot, je ne sais plus comment on dit. Donc ça serait nous jeunes, c'est super. Et les gens dans la rue vous appellent Gilou ou pas? Ou ça arrive? Ça arrive, ça arrive. Et ils vous interpellent les gens dans la rue ou pas tellement? Ou ils osent pas trop parce que vous avez l'image un peu du flic? Les flics, beaucoup? Non, la police, ils aiment beaucoup la série. Ils aiment beaucoup la série. Donc, ça tape assez large. Même les gars qui sortent de tôle, ils aiment beaucoup. On regarde Canal en prison aussi. Donc ça tape autant les jeunes de banlieue que la mamie qui va acheter sa côte de bœuf. Et on vous a vu dans la crime, évidemment, aussi. Un village français. Et donc là, ce soir, c'est formidable. Vous êtes avec Léa Drucker, vous portez vraiment ce téléfilm, cette fiction, on ne dit plus téléfilm, cette fiction qui se passe dans l'univers des migrants, des mineurs migrants, et c'est vrai que c'est un sujet qui est rarement abordé, et c'est fait avec beaucoup de justesse, mais on va en reparler dans un instant. Alors Gilles, on passe à la question du jour. La question du jour, c'est une de une de vos collègues, Catherine Deneuve. Je ne sais pas si vous l'avez vu, elle fait de la pub pour Le Bon Coin. Alors, ça a surpris beaucoup de gens. Vous n'avez pas vu ça commençait. Vous verrez, elle a des poules, elle collectionne des poules. Elle passe par Le Bon Coin. Alors, c'est assez surprenant de la voir dans une publicité à la télévision, Catherine Deneuve. Et encore moins pour un produit de luxe, Le Bon Coin. Allez-y, Valérie. Non, ce n'est pas un produit de luxe. Non, je croyais que vous allez me dire, mais quand même, Le Bon Coin. Parce qu'on a eu un petit débat. Moi, je trouve ça assez marrant, assez décalé que Catherine Deneuve fasse de la pub pour Le Bon Coin, non? Elle a toujours été surprenante, Catherine, quand même. Elle a toujours été. Moi, je trouve ça bas de gamme. Je trouve ça surprenant. Après, j'ai pas trop d'avis là-dessus, mais faut que je vois, faut regarder ça. Elle est marrante, la pub. Elle est réalisée par Eric Lartigot. Catherine Deneuve collectionne les poules en faïence ou en porcelaine. D'accord. C'est une chineuse, c'est ce qu'il raconte. Donc, il a pensé à elle, elle a trouvé ça marrant. Moi, je suis pas choquée. Je trouve qu'au contraire, c'est bien de la voir là où on l'attend pas. C'est pas après Le Bon Coin, c'est devenu incontournable. C'est ça, c'est ce que je disais. C'est maintenant on tape elle sur internet, il y a Le Bon Coin qui arrive tout de suite. Absolument. Et ça reste un endroit où on va acheter des choses. Vous a proposé des pubs pour Le Bon Coin? Non, pas pour Le Bon Coin, pour d'autres produits. Pour Le Bon Plan. J'en ai fait beaucoup. Quand j'ai commencé à tourner, j'ai fait plein de choses. Je vais pas dire les marques, mais j'ai fait pas mal de pubs. Et quand on est jeune acteur c'est un très bon moyen de se faire entre guillemets peut-être repérer un peu par j'ai un réalisateur qui m'avait vu dans une pub que j'avais tournée en Afrique du Sud qui était très belle, bien filmée, c'était Bruno Chiche qui tournait et j'avais tourné avec Pascal Chomeil qui m'avait vu dans cette pub. Donc une carte de visite. Ouais, pas une carte de visite, mais une visibilité. Une visibilité, Et bien pour nos auditeurs, oui, à 52%. Oui, c'est quoi la question? Avez-vous été surpris de voir Catherine Deneuve dans une pub pour Le Bon Coin? Oui, à 52%, non, à 48%. Ils sont un peu partagés, nos auditeurs. Vous pouvez aller voter sur le compte Twitter de Sud Radio. Et Xavier nous dit on pourrait laisser les pubs aux intermittents du spectacle. Pas assez riche, la dame. Ouais, mais ça. Moi, je trouve ça idiot comme réflexion, mais bon. Et Eric Lartigot dit on a découvert qu'elle possédait 500 poules qu'elle achetait et vendait sur Le Bon Coin et donc on a imaginé une histoire autour de cette passion pour montrer que c'était c'est une plateforme. Donc je pense que c'est tout à fait sincère de sa part, Gilles. Allez, le zapping. Ça fait payer quand même. Sud Radio 10h midi média, l'instant zapping. Vous n'êtes pas payé? Si. Beaucoup moins que Catherine Deneuve, et je ne collectionne pas les poules. Hier c'était, moi je préfère les poulets. Oh,
les poules en chocolat. Ça, c'est pour mon poids, je vous remercie. Ça me fait plaisir, Thierry. Ah non, mais je m'en suis fait une grosse au chocolat blanc, là. J'arrête pas de taper dedans depuis 3 jours. Ah, c'est dur, hein, c'est addictif. Je peux c'est plus addictif, m'arrêter. Hein. M'arrêter. Voilà, ce sera le titre de voici. Voilà, je me suis fait une grosse au chocolat blanc, je ne peux plus m'arrêter. Voilà. Hier, c'était le retour des classes après avoir passé quelques jours de lundi de Pâques. Mais retour des classes en version 2.0. Et comme dans la vraie vie, bah, la maîtresse, elle était absente hier. C'est quand même bien fait, les cours virtuels, le bug. Nous avons un message qui nous dit que, eh bien, il y a beaucoup de monde sur le NT et donc on ne peut pas se connecter. Ce bug informatique, ils sont nombreux à l'avoir rencontré hier, des enseignants dans l'incapacité de faire cours, comme cette institutrice, et des parents prêts pour l'école à la maison, aux côtés de leurs enfants. Tout à l'heure, on avait essayé de faire la visio, mais ça ne marchait pas. Ça disait qu'il n'y avait pas l'accès. L'institutrice ne pouvait pas les prendre en visio. Alors, c'est compliqué, hein, parce que hier, c'était un vrai bug. Je ne sais pas si vous avez des enfants. Oui, mais, ouais, mais là, nous, elle dit tout le temps que ça ne marche pas. Donc, c'était pas nouveau. C'est pas nouveau. C'est compliqué, l'école à la maison. Mais je crois que la France et Internet, c'est quand même compliqué, j'ai l'impression. Quoi qu'on essaie de faire. J'entendais un enseignant qui était quand même assez ahuri de dire comment on n'a pas prévu, effectivement, cet afflux massif de connexions. Donc, invoquer une puissance étrangère serait venue. Le service public de l'éducation. BFM était du coup hier, dès le matin, avec une mère et ses 3 enfants, des enfants qui n'ont pas arrêté de balancer sur la mer en plein direct sur BFM. C'était plutôt drôle et c'est Quotidien sur TMC qui s'en est amusé hier. Comment ça se passe? Elle est patiente, maman, elle est disponible? Bah, elle n'est pas souvent disponible et c'est assez difficile parce qu'elle crie souvent quand elle est en appel vidéo et elle n'est pas souvent là pour nous. C'est difficile. Heureusement, BFM, c'est toutes les heures, on rattrape le coup à 8h. Franchement, maman, elle est aussi cool que d'habitude quand elle travaille ou pas? C'est plus compliqué? C'est plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué même. Elle est moins patiente? Elle est beaucoup moins patiente et elle pense surtout au travail. Bah, si elle avait prévenu ses copines en disant « je passe sur BFM, regarde-moi », ils ont dû être contentes. Hier, à l'église, ce dimanche de Pâques et lundi, à l'église Sainte-Cécile pour la messe de Pâques, tous les gestes barrières ont été oubliés. Pas de distanciation, église bondée, pas de masque. Et hier, dans le journal de 13h de France 2, les paroissiens, eh bien, rien ne peut leur arriver. Ils sont protégés pour eux. Je doute que le bon Dieu puisse être atteint par un virus ou hier. Je peux comprendre que ça puisse choquer. Nous n'avons eu aucune histoire, aucune personne malade. L'eau bénite, c'est une eau bénite. C'est pas n'importe quelle eau. Dieu est plus grand que tout. Toutes les autres églises devraient être identiques. On ne se masque pas devant le Seigneur. Le Seigneur a besoin de voir mon visage. Ce n'est pas une question de désobéissance. C'est une question de notre foi. Il y a un petit peu un son télé au début. Ouais. Voilà pour nos éditeurs. Et puis, alors vous l'avez sans doute suivi, l'affaire Pierre-Jean Chalençon qui a rebondi hier avec la déclaration de l'Anticlerc. C'était un poisson d'avril. Mais qu'est-ce qu'on est bête. Vous le connaissiez ou pas, Pierre-Jean Chalençon? Vous aviez déjà entendu parler de ce personnage? Pas du tout, mais jamais. Ouais, non. Non bah, c'était un poisson d'avril, enfin, vous comprenez pas. Du coup, hier, du docteur Marty, colère noire sur RMC Découverte. Écoutez-le. Il faut qu'il arrête, quoi. C'est juste un minable imbécile, une espèce de nombriliste qui se met en avant, qui dit je souffre parce qu'on m'utilise, mais il veut en voir des mecs qui souffrent. Mais on va l'amener dans les réas voir les malades. Là, il verra ce qui souffre. Il s'imagine qu'on joue, lui se joue un personnage. Il n'est pas dans la vie réelle. Et les patients qui sont touchés par la maladie s'amusent pas. Et les restaurateurs qui sont fermés depuis 6 mois, 8 mois, s'amusent pas. Et les patrons d'entreprise qui sont en train de perdre leur entreprise s'amusent pas. Les salariés qui ont perdu leur boulot s'amusent pas. Lui, il s'amuse. La seule chose qu'il aurait à faire, c'est s'excuser plutôt que nous prendre pour des cons. Ouais. Ça a le mérite d'être clair. Ouais. Ouais. Vous avez suivi cette histoire? Mais pas du tout. Pas alors du tout. Débarque, ouais. Mais vous regardez pas la télé, vous fermez. Non, mais je vous pose la question. Non, c'est vrai que je regarde pas la télé, mais j'ai enlevé les réseaux sociaux, j'ai tout enlevé. Ah oui. En ce moment, je bouquine et j'écris. Donc, bah, vous avez bien raison, vous avez échappé. Absolument lamentable. Tellement anxiogène, tout ça. Ouais, non, mais c'est sur des restaurateurs, en fait. Non, c'est pas des restaurateurs, c'est un personnage. Il n'est pas restaurateur. Non, mais j'allais dire, c'est sur un. Ouais, allez-y. Non, j'allais parler des restaurants clandestins, en fait. Oui, c'est les restaurants clandestins. Voilà. D'accord. Pardon. Okay. C'est les restaurants clandestins. Et donc, ce collectionneur d'objets de Napoléon, dans son palais Vivienne, a organisé des dîners. Donc, M6 a fait un reportage. Il s'est fait choper, identifier. Et maintenant, il dit que c'est un faux, c'était un poisson d'avril, sauf que... C'était une répétition, sauf que dans une interview en caméra cachée, il dit, il y avait des ministres, donc c'est devenu une affaire d'État, voilà.
Voilà. Si vous voulez être informé, vous venez nous voir tous les matins. Je vais passer à Sud Radio. Moi, voilà, je pensais que c'était à côté, mais c'est là. Chemin, voilà, absolument. On fait un petit résumé voilà. Puis là, vous saurez ce qui se passe à la télé. Vous savez que les vaccinodromes ont démarré en France. Ils ont envahi tous nos stades, aussi bien à Marseille comme à Paris, avec le Parc des Princes. Bah, du coup, les commentateurs de football sont au chômage puisque les stades sont envahis par les seringues. Vous allez voir, il ne reste plus rien à commander. Eh bien, ils s'en amusaient. Pierre-Antoine Damecourt l'a imaginé pour l'équipe TV si les commentateurs commentaient les vaccinodromes. Écoutez. Bonsoir à tous, bonsoir Eric, bienvenue pour ce multiplex spécial vaccinodrome. On est dans tous les stades ce soir. Dès que ça bouge, dès que ça plante, dès que ça pique, on bascule. Du très beau spectacle, effectivement. Ah, ça part, ça bouge déjà du côté de Lyon, on y va. On plante déjà du côté du Groupama Stadium de Lyon. Magnifique contrôle du vaccin Pfizer de la main droite. Il plante de la main gauche dans le bras de Monsieur Fichard, 89 ans. C'est magnifique, c'est ce qu'on est. Bravo. Moderna, le docteur Richard qui vient planter son aiguille et qui passe en tête du classement des piqueurs. Magnifique. Pierre-Antoine Damecourt, c'est drôle. Hein. C'est drôle. Thierry Godard, nos auditeurs nous disent pour moi, Thierry Godard, c'est le village français. Voilà. Donc chacun a son Thierry Godard. Oui. C'est vrai que ça a beaucoup marqué aussi le village français. Voilà. Et ce soir, on vous retrouve dans un rôle très différent qui est celui d'un père de famille. Mmh. Enfin, vous êtes marié, en train de divorcer de Léa Drucker. Couple incroyable. Franchement, le casting de cette fiction de ce soir, ça s'appelle Vulnérable. Regardez, c'est, et Gilles disait un petit bijou, c'est vrai que c'est réalisé par Arnaud Sélignac. Enfin, le sujet, en plus, sur les mineurs migrants isolés, est assez peu, n'a jamais été traité, à ma connaissance, à la télé. Pas de cette manière. Ouais. Alors dans Grenage, on en parle dans la dernière saison. Ouais. Mais là, c'est vraiment, il y a un coup de focus sur tous ces gens qui les aident et qui les accompagnent. Et comme vous disiez, Antenne, c'est vrai que cet enfant a permis vraiment de faire exister cette fiction. Il est exceptionnel et il véhicule. On a l'impression qu'il a pris sur ses épaules toute cette misère en fait qui est dans les rues. Et pour nous, c'était, il y a rien à faire. Hein, comme... pour nos éditeurs, c'est l'histoire d'Elsa qui est éducatrice et qui, en fait, donne tout pour son métier et pour les migrants. Et puis elle se confronte à l'administration française. Mmh. Et puis surtout aussi pour le coup, elle est formidable dedans, à Romane Bouringer qui, elle, le coup, met de la distance en disant on ne va pas s'occuper de la misère du monde. Et ça raconte ça en fait, et que d'un seul coup, vous qui êtes dans sa vie privée, vous n'existez plus. C'est ça. Il se plaint alors qu'il est médecin. Hein, ouais. Il est médecin, il est là aussi. Il est censé tourner vers les autres, mais dès qu'on est dans notre petit univers, dans notre monde, d'un seul coup, tout ça prend une autre proportion. Donc, j'ai bien aimé jouer. Au début, c'est un peu le rôle ingrat du truc, parce que lui est là pour se plaindre de qu'elle soit pas présente il y a cette facette des Français, des hommes en général, quand l'un est trop investi dans quelque chose, l'autre s'en plaint. Ouais, sauf que c'est assez subtil. Vous avez énormément de compassion pour cette compagne malgré tout. Enfin, ouais, il y a encore de l'amour. Il s'aime encore. Ouais. C'est ça qui est beau. Et c'est à un moment donné, il va dire bon, ok, fais-moi voir ce que tu fais vraiment. Ouais. Dans un premier temps, il veut pas le voir. Et puis il pense à sa petite vie, son gamin. Ouais. Et voilà, et puis on peut tous être dans cette situation-là et on peut tous réagir comme ça. C'est pas une leçon qu'on donne à... Non, d'ailleurs, le téléfilm, il n'est pas forcément pro-migrant. Hein. C'est ça qui est intéressant à voir. Il est vraiment sans concession. Ça décrit une certaine réalité. Oui. Alors, on va le citer, hein, ce gamin, Ilyes Liouel, Bijan. Tous les comédiens sont formidables. Il y a Romane Bouringer, vous l'avez cité. Noum Diawara. Super aussi. Alexandre Furet, Cyr Coï. Enfin, il y a énormément de rôles comme ça qui sont très forts. C'est des belles fictions que le service public... défend vraiment, et puis là, de voir aujourd'hui la veille, le jour de la diffusion, que la presse s'y intéresse. Ouais, que... Très bon papier dans le Figaro, dans le Parisien également, avec 4 étoiles, donc c'est une fiction de qualité, vraiment. De qualité, et qui traite, la télé en ce moment fait ce travail de parler de l'actu, et on est de plus en plus, on colle de plus en plus à l'actu en fait, ça se passe encore, ça se passe maintenant, ça se passe, et qu'est-ce qui fait ça se passera demain. Qu'est-ce qui fait qu'on accepte un rôle plutôt qu'un autre? D'avoir l'impression d'avoir l'impression de un petit peu de servir à quelque chose. Donc on se dit
même si on fait rien, parce que c'est compliqué de faire quelque chose, on va pas d'un seul coup aller à la porte de la chapelle et dire tiens, tiens, viens toi petit, ouais. Je m'occupe de toi, on va pas le faire, et c'est normal. Mais au moins regardons ça, cette fiction, et en essayant de se dire. Voilà, oui, ça arrive, et oui, et ces gamins, avant d'être des espèces de petites choses qui arrivent pour manger notre pain, comme certains peuvent penser. Oui, ils sont dans des situations d'une immense précarité, difficulté psychologique. Ouais, c'est ça. Ouais, et puis au début du téléfilm, on explique qu'on l'a fait venir pour voler quand même. Hein. Au départ, il est là pour ça. Ce gamin de 7 ans, c'est pour amener de l'argent. C'est le seul moyen de survivre. Ouais, ouais. C'est une réalité qui nous échappe totalement, quoi. Et est-ce que, alors, je le dirais pas pour pas cacher. Suspense, parce que vraiment, il faut vraiment regarder ce soir. À un moment, vous allez dans un camp de migrants, il a été reconstitué ou c'était un vrai camp de migrants ? Non, il était reconstitué. C'est compliqué. Je me suis posé la question. Ouais, c'était reconstitué, mais en général, ce serait presque indécent d'aller filmer, les filmer vraiment, mais... Vous avez eu la curiosité d'aller dans un vrai camp de migrants ? Il faut aller à Porte de la Chapelle, pour ceux qui habitent Paris. Pour ceux qui habitent Paris, c'est Porte de la Chapelle, bien sûr. Moi, j'ai été dans des camps de Rome, mais c'est différent, mais c'est malgré tout des endroits très... très précaire, mais non, j'ai jamais été vraiment. Mais là, on l'a reconstitué, donc c'est plutôt bien fait, hein, parce que les décos font un vrai boulot, quoi. Donc c'est des tentes avec des feux, et voilà, et les gens caillent, et les gens sont malades, et les gens sont... abandonnés, aidés d'une certaine manière par l'État, mais de façon assez rudimentaire. On les laisse 15 jours à un endroit, paf, on amène les CRS qui, eux, doivent les dégager pour les mettre à un autre endroit. Enfin, c'est... On comprend pas trop en fait ce qui se passe avec ça. Et Léa Drucker symbolise assez bien tous ces gens qui s'investissent pour aider les autres, pour les sortir de la misère et puis la difficulté qu'il y a à pas mettre de distance. Et surtout, elle fait ça sans être dans l'empathie du tout. Elle est magnifique. Enfin, j'adore Léa. Elle est incroyable dans le rôle. Elle est vraiment une formidable comédienne. C'est la troisième fois qu'on tourne ensemble. On a retourné ensemble il y a pas longtemps et elle me surprend tout le temps par. Comme si elle survolait un peu la situation, mais elle la rend encore plus forte parce que justement elle est pas dans un empathie, ou dans une tristesse, elle est juste dans le sourire. Et c'est magnifique. Hein, moi, c'est une très grande actrice. Ouais. Ouais. C'est vraiment un téléfilm qu'il faut. On en fait des tonnes, mais croyez-nous, quand vous allez le voir ce soir, vous allez dire ah ben ils avaient raison à la radio de nous en parler, on a bien fait de regarder. Et vous portez vraiment tous les deux. En plus, on est entraînés par vous dès le départ et par ce couple très très fort. Et l'enfant fort, est là. Et votre fils qui est délaissé, qui joue très bien et qui est super et qui. Fait une sorte d'enfant un peu presque gâté, un peu comme ça. Oui, on lui reproche, lui, d'être de tout avoir, alors qu'eux, ils n'ont rien, et ce n'est pas de sa faute. Il n'a rien demandé, le môme. Ouais. D'un seul coup, sa mère s'occupe d'un autre, et il est pris le cul entre deux chaises, c'est sûr. Les tournages ne se sont pas vraiment arrêtés avec le Covid. Enfin, il y a eu une pause, et puis maintenant, il y a des mesures qui sont prises. Les tournages reprennent. Comment ça va se passer? Moi, j'ai repris assez vite, parce que c'était des tournages qui étaient déjà commencés, donc déjà assurés. C'est au premier confinement, j'avais commencé juste avant, ça s'est arrêté, confinement, 2 mois, et comme les assurances assuraient, parce que les tournages avaient commencé, on a pu continuer ceux que j'en ai fait un sur l'affaire Villemain, là, qu'on a fini en août. Et après, on a pu rattaquer Germinal, ils étaient en prépa. C'est pour la télé ou le cinéma, l'affaire Villemain ? C'est la télé, Steph, c'est 6 fois 52 sur... Et vous faites quel personnage ? Et moi, je fais le méchant, je fais Corazi. Ah oui, d'accord, le gendarme... Le flic de la SRPJ. Le gendarme, c'est Tonquédec qui fait le gendarme. Et qui fait le rôle de Villemain ? C'est Guillaume Wix et Blandine Bellavoir qui font le couple Villemain. Il y a un casting de folie. Hein. Il y a Gérard Jugnot, il y a Michael Young. Votre attaché de presse ne va pas être très content qu'on fasse la pub. Non, mais il s'en occupera après. Mais TF1, ça prouve que TF1 va sur les affaires judiciaires. Il y a Laurent Stocker qui fait le juge Lambert. Il va être exceptionnel dedans. Parce qu'on a vu là avec l'affaire Fourniret, il y avait une petite polémique. Là aussi, l'affaire n'est pas terminée. On marchait sur des œufs à chaque fois. C'est normal, les gens sont là, c'est un drame. Il faut blesser personne. Ouais. Et en même temps, en parlant des choses, vraiment. Mais... Stéphane pose une question. Thierry, est-ce que vous choisissez les thèmes par conviction personnelle ? Si j'ai la possibilité, oui, bien sûr. Mais c'est pas toujours. Il faut travailler aussi. Il faut travailler. Et puis,
Quand en plus il y a la conviction personnelle, c'est encore mieux. Qu'est-ce que vous aimeriez jouer dans l'idéal si on vous disait voilà demain. J'adorerais jouer Jaurès. Je sais pas pourquoi. Pas mal. Ouais, j'adorerais jouer. Je sais pas. Je trouve qu'il y a jamais eu de fiction à la hauteur de cet homme incroyable qui est un des seuls présidents presque assassinés en France par ses convictions et par. Pas parce que je suis de gauche ou de droite, hein, ça n'a rien à voir, mais c'est cet homme qui me fascine. Oui, c'est un homme qui a une dimension. C'est vrai qu'il n'y a jamais, enfin, à ma connaissance, je ne peux pas me souvenir qu'il y a eu de. Je viens de me faire Maheu dans Germinal, c'était pas mal aussi. Ah oui, grosse production aussi, Germinal. Ouais. C'était Benjaï qui produisait, c'est grosse production. Ouais. Mais ça avait un. C'est très très beau. Très beau c'est aussi. Pour la télévision aussi. C'est France 2 et pour ça passe en premier sur la plateforme Salto. Voilà. Et après en prime time à partir de septembre. Il y a plus de rôles aujourd'hui finalement à la télévision qu'au cinéma. Ça se passe à la télévision maintenant. Il y a plus de choses intéressantes. Je trouve dans le film de ce soir, c'est un film qui est beaucoup plus puissant que certains films de cinéma. Mais ça, vous le montez pas au cinéma. Bah non, parce qu'ils vont vous dire non. Pas assez connu, pas assez machin, le sujet, les gens vont s'emmerder. Enfin, c'est compliqué au cinéma maintenant. La télévision prend plus de risques aujourd'hui. Ils n'ont pas les mêmes enjeux. Le cinéma, il faut gagner de l'argent malgré tout. Ouais. Mais moi, je trouve le terrain de jeu pour un acteur, il est à la télévision en ce moment. Mais vous avez dit que vous n'aviez pas de télévision, donc vous ne regardez pas Netflix ? Si. Mais c'est pas la télévision pour vous, non. C'est quelque chose. Pour moi, c'est pas la télévision. La télévision, c'est le direct. Donc vous regardez Netflix sur votre ordi ou votre tablette. Ou MyCanal ou Netflix ou. Incroyable. Pourquoi incroyable ? Non, mais c'est ce qu'on se disait. Mais pour nous, c'est la télévision. Mais par contre, j'écoute la radio. J'écoute maintenant beaucoup plus la radio le matin, les podcasts, tout ça. Et alors, une série à nous conseiller ? La dernière que vous avez vue. La grande tarte que j'ai prise, c'est Rectify. C'est génial. Rectify. Super. Alors, c'est où ? Parce que normalement, je connais c'est pas. C'est sur Netflix, MyCanal. MyCanal, MyCanal, je confonds. C'est un type qui sort de prison et qui, après 20 ans, qui était dans le couloir de la mort aux États-Unis et qui se met à revivre. Et c'est d'une finesse, c'est d'une beauté. Le comédien a une intensité incroyable. Et j'étais fasciné par cette série. Et vous regardez en binge watching, comme on dit, c'est-à-dire vous enchaînez les épisodes Je regarde la nuit, moi, je me réveille tôt. Donc vous les regardez à la suite, c'est ce que vous dites. Vous les regardez 3, 4, 5, 6. Binge watching. Ce soir à ne pas manquer, Vulnérable sur France 2, 21h05. Léa Drucker, formidable, incroyable. Thierry Godard aussi, Romane Boringer, ce jeune garçon, Ilyes Liouel, l'univers des migrants, c'est vraiment une fiction exceptionnelle réalisée, il faut le dire, par Arnaud Célignac. On va citer également les scénaristes Alissa Wentz et Johan Rigoulot qui ont fait un très bon boulot parce qu'il y a des dialogues. En plus, vous avez des choses à jouer très intéressantes. Oui, il y a des belles scènes même de couple. Absolument. C'est très bien écrit. Merci Thierry Godard d'être venu ce matin sur Sud Radio. Merci on se retrouve dans un invité. Instant.